Tôt dès le matin, un champion doit préparer, travaille la beurre de la journée, et sans jamais se reposer. Il affronte les circonstances et lève les yeux vers la victoire, car l'essentiel au bout du compte, c'est d'échanger sa condition. Il sache que malgré les océans, il y a une rive qui existe. Sache que malgré les grands déserts, il y a une oasis paisible. Alors bonjour, bonjour les champions. C'est la suite de la vidéo que j'ai faite dernièrement sur... voilà, la vidéo est sur la chaîne. Je vous laisse le lien en description. Et vous pourrez, n'est-ce pas, aller checker pour voir voilà ce qu'on a commencé dans cette première partie, qui était en fait le début de la composition d'un chant. Comment est-ce qu'on compose un chant? Voilà, nous avons vu les fondamentaux, nous avons vu les bases, nous avons vu tous les éléments théoriques qu'il fallait mettre en exergue pour parvenir à composer de façon correcte. Voilà. Et donc ça, c'était une vidéo d'intro. Et là, je suis en train de poursuivre avec la suite. Donc toujours sur mes post-it, comme vous pouvez le remarquer. Alors là, cette fois-ci, je travaille beaucoup plus. On avait vu la dernière fois la mélodique, les quelques principes sur la mélodique. Donc là, je suis en train de travailler sur la mélodique. Et là, c'est l'a cappella. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'a cappella? C'est, si tu veux, la reproduction de façon concrète du texte qui est déjà écrit. Alors, on a terminé d'écrire le texte, on a terminé de gratter quelques accords musicaux. Et maintenant là, on est en train de chercher la cohérence sur le plan vocal, c'est-à-dire essayer de développer la technique vocale de façon pratique. Développer toutes les astuces qui permettent au texte d'être cohérent sur le plan vocal, c'est-à-dire vous chantez et vous parvenez à prendre votre souffle. Parce que vous savez, lorsqu'on va en studio, le travail de studio peut se faire de façon séparée. Quand je dis de façon séparée, c'est-à-dire chanter couplet par couplet, ou peut-être partie par partie, partie par partie. Par exemple, là, je prends « Tôt dès le matin, un champion doit préparer. » Je m'arrête. L'ingénieur son bloque cette partie. On rejoue pour voir si c'est correct. Et si c'est correct, alors je continue sur la suite. Donc, ça, c'est comme ça que des fois, certains artistes préfèrent travailler, parce que, si vous voulez, ça vous donne beaucoup plus de marge de faire le travail de façon correcte et d'avoir la bonne inspiration sur le plan du souffle, sur le plan de l'émotion, sur le plan de la puissance vocale. Par contre, moi je pense qu'il faut, au-delà de cet aspect qui est du studio, il faut apprendre à chanter son chant de façon continue, c'est-à-dire partir du premier au dernier couplet en incluant les refrains, donc en passant par les refrains. Et cela demande quoi? Cela demande d'abord déjà de mémoriser le texte, ça c'est le premier aspect. Et en plus, cela demande d'avoir la capacité, si vous voulez, d'être capable de gérer tout ce qui est inspiration, expiration, donc les mouvements de la cage thoracique, parce que l'appareil, si vous voulez, l'appareil musical humain se trouve au niveau de la cage thoracique, en montant par la gorge jusqu'au niveau de l'appareil phonatoire, donc qui est composé de la bouche et tous les éléments qui sont dans la bouche, donc la langue, les dents, le larynx, le palais dur et tout ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est prendre votre texte depuis le départ et le chanter de façon correcte. Donc, c'est ce que je tente de faire ici. On y va. Donc, premier couplet. Tôt dès le matin, un champion doit préparer. Travaille la beurre de la journée, sans jamais se reposer. Il affronte les circonstances, élève les yeux vers la victoire, car l'essentiel au bout du compte, c'est de changer sa condition. Sache que malgré les océans, il y a une rive qui existe. Sache que malgré les grands déserts, il y a une oasis paisible. Mais tu as peur d'affronter le défi, quand tu ne sais pas qui tu es. Oh, champion, je voudrais te l'enseigner. Loin de me vanter, je fais que parler de celui que tu loges en toi. Oh, champion,
Dans la vie d'un vrai champion, difficulté, peine et danger n'empêchent pas de triompher. Oh oui, relève la tête, observe à l'horizon, car la victoire s'élève toujours quand tu contemples le soleil se lever en ta faveur. Tu dois toujours te surpasser malgré les peines du chemin. Tu dois apprendre à surmonter les échecs du lendemain. Sache qu'au milieu de la savane, un lion qui dort est en danger. Sache qu'au milieu de l'océan, un requin blessé est une proie. Le sommeil et l'incrédulité sont des ennemis dont je me méfie. Oh, champion, je voudrais te l'enseigner. Si tu as peur d'affronter les défis, tu as ce que tu ne sais pas ce qui tu es. Oh, champion. Oui, donc voilà un peu. Vraiment de façon globale, c'est un peu ce qu'il faut. Être capable de prendre votre premier couplet, refrain, deuxième couplet, refrain, de façon à ce que vous gardiez le souffle, vous mainteniez le rythme, parce que c'est pas facile en fait. Voilà, donc l'exigence de chanter demande déjà pour, premièrement, avoir un profond souffle, deuxièmement, avoir une puissance vocale assez percutante. Parce que la puissance vocale, elle sert à quoi? Elle vous permet de maintenir en fait le rythme du début à la fin. Parce que maintenir le rythme, ça demande savoir prendre l'inspiration et savoir où est-ce que vous inspirez, où est-ce que vous expirez et en fait où est-ce que vous posez les différentes strophes, où est-ce que vous posez les différentes rythmiques, ainsi de suite. Et malgré ça, malgré le temps que ça peut prendre, maintenir le cap, le BPM. Toujours rester sur le battement. Voilà pourquoi je claquais les doigts. Voilà. Donc ici, c'est juste une tuto pour vous montrer comment est-ce que je m'y prends par rapport à la suite du chant. Et donc, comme je disais dans la vidéo précédente, nous n'avons pas encore terminé le chant, nous sommes juste aux deux premiers couplets. Et donc, nous allons chercher à écrire une troisième strophe, mais bon, on se laisse inspirer, vraiment que ce soit quelque chose de naturel, qui coule, pas quelque chose qu'on force, voilà. Et ça, c'est aussi un aspect très important dans la composition du chant. Ne forcez pas, laissez la chose couler, parce que les vrais chants, en réalité, ce sont des chants qui émanent d'une certaine inspiration, d'une certaine réalité. C'est-à-dire qu'il faudrait que le chant soit vraiment attachant sur le plan concret et réel. Et qu'il ait vraiment une histoire qu'il raconte. Il est vraiment un vrai message qu'il véhicule. Pas seulement se contenter de superposer les mots, superposer les phrases, faire des rimes, faire des belles figures de style et tout ça. Tout ça, c'est bien. Ça fait partie de l'esthétique de la chanson. Mais au-delà de l'esthétique, le chant lui-même doit avoir un côté émotionnel, un côté réaliste, parce que c'est ça l'art en fait. L'art, c'est quoi? L'art, c'est simplement le fait de traduire le beau à travers le quotidien, c'est-à-dire vous montrer tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de parfait à travers la vie de tous les jours, aussi simple soit-elle. Voilà, donc je vous dis merci pour ce temps que vous avez passé à regarder cette vidéo. Merci pour vos likes. Merci de pouvoir liker. Merci de partager la vidéo. Merci surtout de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis ciao ciao, à très bientôt.